Ça me fait super plaisir de faire cette vidéo avec vous aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez vu sur le titre, c'est une vidéo pour présenter la Birchbox. La voici. C'est la Birchbox. Alors, c'est ma box préférée de toutes les box qui existent niveau beauté. Donc, je tenais à vous la présenter. Celle-ci, c'est la box de février, donc qu'on a reçue pour la Saint-Valentin. Et je vais vous présenter tous les produits qui sont à l'intérieur. Donc, alors, on va l'ouvrir ensemble. Donc, on l'ouvre à l'intérieur. On a une petite carte d'amour. Saint-Valentin. On a le descriptif de tous les produits. Voilà, qu'on va lire ensemble. Et on a les petits produits. Donc la Birchbox, déjà je vais vous expliquer ce que c'est. La Birchbox, c'est une box qui vient tous les mois chez vous. Avec 5 produits en moyenne. Ça peut être des produits en format échantillon. Ou des produits en format normal. Ce sont des produits qu'on a choisis pour vous par rapport à votre type de peau, donc et à votre type de cheveux, à votre type de tout, parce qu'il y a un peu de tout niveau beauté. Et donc du coup, normalement, ça doit vous convenir à chaque fois. C'est ça que j'adore. Cette Birchbox, c'est la moins chère du marché, il me semble. Elle coûte 13 euros frais de port compris. Donc en fait, c'est 10 euros plus 3 euros de frais de port. Je trouve que pour son prix et par rapport à ce qu'elle propose comme produit, c'est super bien. Sachant que j'ai fait énormément de découvertes chez eux, parce qu'ils n'envoient pas forcément des produits qu'on trouve dans les supermarchés du coin. C'est vraiment des produits qu'on ne chercherait pas ou qu'on ne trouverait pas facilement. Et le petit plus, c'est que si le produit nous plaît, et c'est super facile ensuite d'aller commander le produit en format standard sur le site directement de Birchbox. J'adore ce site, j'adore ces box, et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous les présenter. On va commencer tout de suite avec le premier produit, qui est donc le produit Absolution, le soin repulpant. Donc, je vous le montre. C'est celui-ci. Voilà. Le soin repulpant. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un masque bioconcentré activateur de jeunesse. Je vais vous lire la description, ça sera plus clair. Donc là, c'est un format à 15 millilitres. Normalement, il se vend en format 50 millilitres. Le format 50 millilitres est à 34 euros. Je vous le lis. Donc, qu'est-ce que c'est? On connaît votre envie de trouver des produits aussi doux avec votre peau qu'avec la planète. On la partage à 200%. Dénicher un masque hydratant repulpant véritablement efficace qui sente bon sur la peau, soit doux à appliquer, fasse joli dans la salle de bain et affiche une composition irréprochable. C'est possible. La liste d'ingrédients de ce soin repulpant incroyablement riche en vitamines ressemble à une poésie. Trémaille des neiges, bourgeon de hêtre, alfalfa. Comment l'utiliser? Donc, on nous le dit. Sur le visage démaquillé et nettoyé, appliquez généreusement le masque et laissez-le poser pendant 10 minutes. Vous pouvez ensuite ôter la crème à l'aide d'un coton sans rincer ou bien rincer votre peau à l'eau. Voilà. Donc, voilà pour le premier produit. Déjà, ils disent que ça sent bon. Donc, ça, je vais pouvoir le vérifier tout de suite. C'est crémeux. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent un peu l'argile en fait, mais ça sent autre chose. Donc, à essayer, je vous dirai s'il m'a plu ou pas. Je vous tiendrai au courant. Deuxième produit, c'est un après-shampoing de la marque Davine. C'est une nouveauté a priori. Donc là, je l'ai reçu en format 75 millilitres.
Et normalement, il s'achète au format 250 millilitres et il coûte 22,70 €. Donc, je vais vous lire la description de l'après-shampoing d'Avène. D'ailleurs, pour l'utiliser correctement, ils ont envoyé un mini échantillon du shampoing qui va avec. Donc, c'est celui-ci. Et je tiens à préciser que ce sont des shampoings et après-shampoings pour les cheveux colorés. Parce que j'ai donné dans mon profil l'indication que mes cheveux étaient colorés. Donc voilà. Alors, je vous lis la description. Qu'est-ce que c'est que ça? Grâce à cet après-shampoing riche en actifs naturels, vos cheveux colorés gagneront en lumière, en douceur et seront parfumés de cette irrésistible odeur de linge propre. Chez Birchbox, cela fait un moment qu'on a craqué pour la marque italienne d'Avène à l'esthétique si chic, mais surtout à l'éthique engagée. Et pour vous faire bénéficier de la routine complète, on a glissé dans votre box de quoi tester le shampoing de la même gamme avant le soin. Comment l'utiliser? Après votre shampoing, appliquez le conditionneur sur cheveux essorés. Donc le conditionneur, c'est l'après-shampoing. Laissez-le poser 5 à 10 minutes, peignez les longueurs, puis rincez. Voilà comment l'utiliser. Donc, c'est un format qui se vend ensuite en 250 ml. Il coûte 22,70 €. Ça a l'air super cher pour un après-shampoing, mais s'il fait des miracles, j'ai envie de dire pourquoi pas. On verra. Et le shampoing se vend normalement en format 250 ml aussi. Et il coûte 17,60 €. Donc, à tester et je vous dirai si vraiment il vaut son prix ou pas du tout. Voilà. Troisième produit. Pixie by Petra. Pixie by Petra, je pense qu'on a tous deviné ce que c'était sans lire la description. C'est un baume à lèvres. On l'ouvre, on regarde. Il est coloré. J'aime bien. Donc là, il est en format standard. Il n'est pas en échantillon. J'aime bien le design du petit pot. Ça fait vraiment cocooning, etc. Donc ça a l'air sympa. Maintenant, on va lire la description de Pixie. Pixie by Petra. C'est quoi? Ce baume au joli têtuier rétro et à l'odeur gourmande nous donne envie d'entrer dans une phase légèrement régressive. Régressive? En un geste, on protège nos lèvres des gerçures grâce à une texture riche en beurre de karité et on se maquille la bouche d'une teinte délicate qui donne bonne mine. Son parfum d'amande rend vite addict. Je vais le sentir, il faut que je sache. Oups! Ça sent la praline, c'est hallucinant. En fait, ça sent les pralines qu'on achète à la fête foraine et qui sont super sucrées. Mais ça sent exactement ça. J'aime bien l'odeur, j'adore l'odeur. Je vous dirai si ça vaut le coup. Je vais quand même vous lire la description de comment l'utiliser. Peut-être qu'il y a quelque chose de précis à dire dessus. Donc, vous maîtrisez ce geste depuis des années? Non, à utiliser sans modération pour un make-up léger et une hydratation efficace. Rien à dire apparemment. Quatrième produit, le Lollipops Make-up. Donc là, c'est un crayon super design. J'adore l'esthétique du crayon. Il est trop mignon. C'est un crayon noir. Et en fait, il est. Je vous montre. Hop, la mine. Elle est. Je tourne là. Et en fait, ça s'allonge. Donc, c'est un faux crayon. C'est un crayon en plastique. Et la mine est rétractable. J'adore déjà le concept. Ça, c'est super pour pas avoir à tailler son crayon. J'aime. On va lire la description de Lollipop's Makeup. Donc, c'est un crayon eyeliner noir qui se vend. Je ne vous ai pas dit pour le baume à lèvres. Le baume à lèvres, il se vend tel quel et coûte 11 €. Donc, celui-là, hop, celui-là, 11 € normalement. C'est super cher pour un baume à lèvres. On va voir s'il fait des miracles. Pour le Lollipop Make-up, ça se vend en 12 grammes, donc exactement comme ça. C'est le même qu'ils ont et coûte 14 €. 14 €. On va lire la description de ce petit crayon. Close your eyes, go dancing, nous intime ce crayon de la marque Retro Girly Lollipops. Allez danser, oui, mais uniquement avec un bel œil de biche. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce crayon fin très pigmenté, se dessine un beau trait d'eyeliner où un contour de l'œil est un jeu d'enfant.
Rétractable, il n'a pas besoin d'être taillé. Enrichi en vitamine E, ce make-up prend soin de nos yeux. Ça, c'est cool. Un crayon soin, c'est cool. Comment l'utiliser? Profitez de sa précision pour dessiner une belle virgule façon liner. Vous pouvez estomper légèrement en smoky avec un pinceau. Bref, amusez-vous. Pour affûter, utilisez le mécanisme. Utilisez le mécanisme tournant à l'arrière du crayon. Super. Ok. Et donc, on va passer au dernier produit, le cinquième produit, qui est celui qui m'intrigue le plus, en fait, celui que j'ai le plus envie d'utiliser. C'est une huile de douche, je vous la montre, de chez Sablon. Une huile de douche. Donc, ce qui m'a intriguée, c'est l'huile. C'est-à-dire que je connaissais l'huile pour s'hydrater le corps, mais l'huile de douche, je ne connais pas. Donc là, j'ai vraiment envie. J'ai envie de l'utiliser. Je ne l'ai pas touché, comme à aucun des produits qui est dans cette box. Je les ai reçus il y a environ 2 semaines et je ne les ai pas utilisés parce que je voulais vraiment vous présenter la box avant de pouvoir utiliser les produits. Mais celle-là, j'attends avec impatience de pouvoir l'utiliser, donc je pense que je vais l'utiliser dès ce soir. Donc, on va lire la description de l'huile de douche Sablon. Je vous la remontre. Donc, qu'est-ce que c'est? Une huile de douche, c'est l'efficacité du savon nettoyant avec la douceur de l'huile. On adore la texture qui mousse très légèrement, laisse la peau douce et nous enveloppe de ses effluves de jasmin. En plus, si ça sent le jasmin, laisse tomber. Huile d'olive, d'avocat, de germes de blé et de jojoba préservant l'hydratation. On dirait une gogole qui lit. Et forcément, le joli flacon rétro participe au plaisir puisqu'on aime bien afficher de beaux produits dans notre salle de bain. Donc, à utiliser sous la douche, on masse sur la peau mouillée pour bien nettoyer la peau tout en l'hydratant. Et donc, là, c'est un format 50 ml. Il se vend en 500 ml, donc ça doit être une grosse bouteille, et il coûte 22 euros. Pareil, ça a l'air super cher, mais j'ai envie de dire si ça fait des miracles, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour la Birchbox. Je vous ai monté tous les produits. Franchement, c'est une, comme je vous l'ai dit au début, une box que j'adore. Les produits m'étonnent toujours autant. J'ai toujours des bonnes surprises, des produits qui deviennent cultes et que je rachète avec grand plaisir et dont je ne peux plus me passer. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. La box, encore une fois, ne coûte que 13 euros. 13 euros, c'est quoi? C'est 3 cafés, c'est 2 verres de cocktail, ou enfin, c'est pas très cher par rapport en plus à d'autres box qui proposent des produits qu'on peut trouver partout. Par rapport à d'autres box qu'on peut trouver un peu partout en supermarché, etc. Je trouve que cette box, elle se singularise par rapport à l'originalité des produits qu'elle envoie. En plus de ça, c'est une box qui est définie en fonction de notre type de peau, de notre type de cheveux, etc. Ça fait plaisir de recevoir des produits qui sont adaptés à nous et qui ne sont pas des produits envoyés par hasard comme ça, juste pour essayer des produits. J'ai découvert énormément de produits là-dedans, des produits que je pourrais vous présenter d'ailleurs sur une autre vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez déjà reçu une Birchbox, de donner votre avis par rapport à ça. Si vous connaissez un des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire juste en bas, si que vous ayez aimé ou pas d'ailleurs. Et je vous enverrai en barre d'infos un lien pour vous abonner à la Birchbox si vous avez envie, ou alors juste pour aller faire un tour sur le site et voir les produits qui sont proposés là-bas. Je vous dis à bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous.